Le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon et le directeur régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale étaient au cabinet du ministre en charge de la jeunesse jeudi dernier. Le renforcement du partenariat entre les Nations Unies et le Gabon sur les questions liées à la jeunesse était au rendez-vous. Cette rencontre visait aussi à faire le point des programmes en cours et définir les modalités de la mise en œuvre de ceux en projet et maximiser la contribution de la jeunesse gabonaise à la construction du pays. Nous avons passé en revue les projets qui sont en cours maintenant et les initiatives que l'UNESCO avec le système des Nations Unies vont en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et le gouvernement du Gabon en général, et notamment le grand projet Les Tisserandes de la Paix, un projet qui va être lancé très bientôt à partir de la ville de Oyem. Le projet de Tisserandes de la Paix, c'est un réseau de jeunes, 1800 jeunes, qui seront formés sur la prévention de conflits, la résolution de conflits, des activités génératrices de revenus et la prévention de trafic illicite des biens culturels, des biens naturels sur les zones transfrontalières. C'est un projet qui est innovateur, c'est la première fois qu'on le fait de cette magnitude avec ce modèle ici au Gabon. C'est vraiment un grand plaisir de le faire démarrer ici au Gabon. Ça sera sur la zone transfrontalière entre le Gabon et le Cameroun, et le Cameroun et le Tchad. Mais la base de gestion de ce projet sera à Oyem. J'ai eu le plaisir de faire une visite sur le terrain à Oyem. J'ai briefé Monsieur le ministre sur les résultats de cette réunion avec Monsieur le gouverneur, avec les jeunes que j'ai rencontrés sur place. Et vraiment, nous souhaitons un grand succès à ce projet qui sera un projet pilote pour toute la région de l'Afrique centrale qui va démarrer d'ici au Gabon. Nous allons aussi discuter ou bien initier d'autres projets avec Son Excellence Monsieur le ministre et son équipe, avec le ministère, sur le volontariat des jeunes, une plateforme de volontariat qui est très importante aussi pour le rôle actif de la jeunesse. Comme l'a dit Monsieur le coordonnateur résident, c'est la jeunesse qui travaille pour la jeunesse, pour l'avenir, mais pour le présent aussi. Alors ça sera une initiative par les jeunes, pour les jeunes, pour le pays. Plusieurs programmes ont été évoqués au cours de ces échanges. Il s'agit entre autres du programme de mise en place d'un corps national de volontaires au Gabon qui travaillera pour l'avenir et pour le présent du pays. La seconde phase du projet Train My Generation pour 10 000 jeunes et un programme de l'UNESCO au bénéfice du ministère en charge des sports pour la promotion du sport, de l'éducation physique et la mise en place de la stratégie d'antidopage.